Non, monsieur le Floch, monsieur le comte de Saint-Florentin demande à vous voir en personne. On a tué une des femmes de chambre de ma femme. Qu'attendez-vous, moi, monsieur ? Que vous enquêtiez. Une bête abominable a pu provoquer cela. Mon cas est sans exemple. On lui aura comme arraché la gorge. Et là ? Une sorte de gantelet d'armure. La main d'argent que l'ancien roi a offerte au comte de Saint-Florentin. Trouvez-la, alors vous saurez, sans la moindre contestation possible. Étiez-vous à l'heure de la mort de Marguerite Pindroy ? Rien ne m'obligera jamais à révéler ce que je veux garder par derrière moi. Veillez sur Saint-Florentin, monsieur. Il en a grand besoin. Oui, madame. J'ignore où se trouve la vérité d'un homme. Dans son désordre ou dans son jardin d'innocence préservé du péché.